Esprit, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de carême, la parole de Dieu, la liturgie de la parole, vous invite à faire avec Jésus-Christ un petit crochet dans le temple. Le temple qui est le symbole de la présence des dieux, le temple qui est le lieu par excellence où les hommes et les femmes viennent offrir leur sacrifice au Seigneur et viennent rencontrer Dieu dans ce qu'ils ont de plus précieux. Nous sommes tous conviés à venir vers ce Christ qui nous aime et qui a besoin de nous partager l'importance ou la valeur du temps qui est aussi notre corps. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu.
Que le temple, le lieu de la rencontre avec Dieu, n'est pas
bénisse le prochain de l'homme qui est aujourd'hui cette présence de Dieu. Parce que nous sommes le temple du Christ. Et le temple du Christ a besoin d'être respecté. Et je me suis dit, c'est peut-être parce que notre monde a tellement évolué. Nous passons outre. Même la connaissance et la valeur que nous avions, le respect que nous avions du temple des dieux. Le samedi matin, et ce week-end,
ici dans cette église que le temps de partage a eu lieu, et c'est pour ça que vous avez encore ce jardin. La semaine prochaine, il sera dans une autre église, là où il y aura le temps de partage. Et voyez qu'il se complète progressivement. Le mercredi des cendres, nous y avons ajouté la cendre, signe de pénitence, signe de conversion. Oui, nous avons eu les 40 jours de Jésus au désert. Nous avons ajouté le sable. Puis la transfiguration, le rocher de la transfiguration. Et puis ce week-end, nous parlons du temple. Et comme l'a expliqué le père Patrick, le temple, il abrite ce que nous avons de plus cher. Et en cette saison printemps, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus cher que nos enfants? C'est vrai pour toutes les créatures. Et donc ce livre présente exactement ce que nous avons de plus cher. Et cet œuf qui est là nous fait penser à l'odeur de la vie. Voilà. Baptisés qui vivent un carême de pardon
de partage et de fraternité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions, nous te prions pour le pape en pèlerinage en Irak. Que cette rencontre soit source de fraternité entre les hommes, quelle que soit leur religion, leur croyance, leur origine. Sois, Seigneur, la force pour ce peuple irakien. Seigneur, nous te prions. Seigneur, notre Dieu,
te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, tu es éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous déclarons. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance pour l'éternel, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission de péché. Vous ferez cela. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église étendue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière au prix de toi. Selon tout sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Vénéreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amour, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui.
unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Amen.
nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La semaine prochaine, c'est la collecte pour entraide et fraternité, mon soutien à un projet au Kivu, au Congo. Vous avez toutes les explications qui se trouvent sur votre feuille liturgique. Je vous invite à emporter une enveloppe, à mettre dans cette enveloppe ce que vous souhaitez donner, offrir pour ce projet. Comme vous ne venez pas chaque semaine à la messe, vu le nombre élevé, je vous invite à mettre dans l'enveloppe l'argent et la prochaine fois, vous déposerez dans le panier et moi je saurai que cet argent est destiné pour entraide et fraternité. Mais vous pouvez aussi faire un versement directement, vous avez un numéro de compte. Bon dimanche à chacun et à chacune, et on se revoit un peu plus tard. Je vous invite peut-être à regarder après-midi la messe en direct de l'Irak, dont le pape va célébrer. Vous pouvez savoir que dans notre communauté, nous avons des familles qui viennent de la Syrie et qui ont comme rite d'adhésion. Hier, le pape, pour la première fois, a célébré dans ce rite, ce qui nous permet d'être en communion avec les familles qui se trouvent sur notre territoire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Rendez-vous.